De Dieu, nous allons encore une fois de plus écouter la chorale pour une prestation avant donc d'écouter la parole de Dieu. We just want to call again our choir before we listen. Yeah.
Praise the Lord. Alléluia. I will invite the musical group to come. Nous allons ensemble dire combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux. Nous chanter ensemble. Pas ça dans les cantiques, donc Vêtu de majesté, vêtu de
majesté. La terre est dans la joie. 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 On passe sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Une fois de plus, sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Dis-le combien. Reprenons les refrains tous ensemble. Alléluia. Praise the Lord. Thank
thank you so much. Merci. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. How great. Combien is our God. Dieu est grand. How great. Combien he is. Il est grand. Hallelujah. Amen. Jusqu'à la fin. Genèse 6. Genèse 11:24. Genèse 6, 11. Genèse 11. Amen. Amen. I read the word of God. Je lis la parole de Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Nahor lived 29 years and begot Terah. After he begot Terah, Nahor lived 119 years and begot son and daughters. Now Terah lived 7 years and begot Abram, Nahor, and Haran. This is the genealogy of Terah. Terah begot Abram, Nahor, and Haran. Haran begot Lot. And Haran died before his father Terah in his native land, in Ur of the Chaldean. Verse 29. Then Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah. The daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Isai. But Sarai was barren. She had not child. And Terah took his son Abram and his grandson Lot, the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and they went out with them from Ur of the Chaldean to go to the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. Verse 32. So the day of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Amen. Amen. Mikila, you can read. Genèse 11, à partir du verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Et Nahor, âgé de 29 ans, engendra Terach. Nahor vécut, après la naissance de Terach, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Milcah, fille d'Haran, père de Milcah et père de Jiska. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Terach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. You can sit down. Let us clap for the word of God. Applaudissons pour la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. We are in the topic of our year. Nous sommes dans le thème de notre année. And when we read the verse, et lorsque nous lisons Genesis le verset, 11:24, maybe you can ask yourself, peut-être que vous pouvez vous demander, where is the relation, quel est le topic, rapport avec le thème? Time is come. Le temps est venu. That each man, que chaque homme, should have goals, devrait avoir des objectifs.
Time is come. Le temps est venu. That each man should have projects. Doit avoir des projets. Time is come. Le temps est venu. It is right now. C'est maintenant. You must have vous vision. Devez avoir des visions. That's why. C'est pourquoi. Now. Maintenant. You should stop. Vous devriez arrêter. To listen. D'écouter. You must start. Vous devez commencer. To hear. À entendre. Amen. I repeat. Je répète. Each man, chaque homme, the time is come. It is right now. Il est temps. If you didn't have goals, si tu n'avais pas d'objectif, vision, de vision, you must start to have it. Tu devrais commencer à en avoir. Without vision, sans vision, without goals, sans objectif, without project, sans projet, you cannot go nowhere. Vous ne pouvez aller nulle part. You need it. Vous en avez besoin. And it will build your et hope. Cela construira votre espoir. If you didn't have vision, si vous n'avez pas de vision, you cannot have hope. Vous ne pouvez pas avoir d'espoir. If you don't have project, si vous n'avez pas de projet, if you don't have planned, vous n'avez, si il n'y a pas de choses planifiées, you cannot have hope. Vous ne pouvez avoir aucun espoir. In order to achieve that, afin de pouvoir arriver à cela. You must stop to vous listen. Arrêter d'écouter. Now, maintenant, you must start to vous devez hear. Commencer à entendre. You must stop. Vous devriez arrêter to look. De regarder. You must start to see. Vous devez voir. Note it somewhere. Notez-le quelque part. Hallelujah. Amen. People, mes frères et sœurs, sometimes you have a strong revelation. Parfois, vous avez une révélation but puissante. You are a very, very little baby. Mais vous êtes des bébés. You don't understand. Et vous ne comprenez pas. What I'm just saying ce right que now. Je viens de dire. If you understand it, si vous avez compris cela, write it in your heart somewhere. Écrivez cela there. Dans vos cœurs quelque part. Hallelujah. Amen. For our topic, pour notre thème, fourth word was pronounced by the Dr. Reverend Songnaba Isidore, quatre the pastor mots avaient été donnés who par preached last qui avait Sundays. Prêché il y a de cela deux dimanches. The first word, le premier mot, he mentioned obedience. Il a parlé d'obéissance. Second one, trust. Deuxième, de confiance. Third one, faithfulness. Fidélité. And fourth one, et quatrième, action. L'acte. And today I have to preach. Aujourd'hui, je vais prêcher. And develop on each of the that word. Et développer chacun de ces quatre. That points. I previously preached here with you. Que je vous avais déjà prêché ici. But I didn't develop. Mais que je n'avais pas développé. And him too, when he preached, aussi, quand il a he prêché, mentioned it. Il les a mentionné. But he didn't develop it. Mais il n'a pas développé. Today I will start to develop. Je vais commencer à développer. The second one. Le deuxième mot. Because we already parce speak. Parce que nous avons déjà parlé. About obedience. De l'obéissance. The second one. Le deuxième. Trust. La confiance. Trust. La confiance. The topic is le thème c'est trust in God. Fais confiance en l'Éternel. Brother and sister, frères et sœurs, trust in God. Aie confiance en l'Éternel. When you see in the $1 of American US, si vous regardez sur le billet d'un it dollar, said there, il dit, il in dit, God we trust. Nous avons confiance en Dieu. Hallelujah. Amen. Trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. We read the story of Terak. Alors, nous avons lu l'histoire de and Terak his children. Et de ses enfants. Among his children, parmi ses enfants, we have one name. Il y a un qui est nommé. That is Abraham. Abraham. And Abraham, was led by his dad. Était conduit par son père. And Abraham, looked at on his dad. Regardait son père. Terak, stood up. S'est tenu and debout, he said, il a dit, "Let us go." Allons-y. To somewhere. Quelque part. Let us reach out to Canaan. Essayons d'atteindre Canaan. And they leave a town. Et ils ont quitté leur in ville. In the direction to the Canaan. En allant vers Canaan. And on their way. Et sur le chemin. They reach out to Chaldé. Ils ont atteint Chaldé. At Ur. À Ur. And they stay there. Et ils y sont restés. And there. Et là-bas. Something happened. Quelque chose s'est passé.
Terah passed away. Terah est décédé. His daddy passed away. Son père est mort. You know, vous savez, maybe Terah have some relation in Canaan. Peut-être que Terah avait des amis, des relations à Canaan, mais Abraham ne les avait pas. And Abraham, trust on his dad Terah. Avait confiance en son to père. To go to Canaan. Afin d'arriver à Canaan. Abraham count on his dad. Abraham comptait sur son to père. To reach to the destination. Pour atteindre la destination. But for some reason, pour une raison, we didn't understand why. Nous ne savons pas pourquoi. At the Chaldee, à Chaldee, Terah die. Est mort. The guy who Abraham was looking on, celui sur lequel Abraham comptait, trusting on, celui sur lequel il comptait, speak on, celui sur lequel il s'appuyait, pass away, est mort, left him, l'a quitté, and the goals, et les objectifs, the project of projets, Abraham, d'Abraham, die also there, sont aussi morts là-bas, stop there, se sont arrêtés là. Listen carefully, écoutez attentivement, trust in God, ayez confiance en l'Éternel. Abraham trust on his dad. Abraham faisait confiance maybe en son père. I don't know in your life. Je ne sais pas dans ta vie. A lot of time, plusieurs fois. Maybe someone promised you something. Qui t'a promis quelque chose. And he said, et il a dit, I will do it for you. Je le ferai pour toi. I will lead you to reach je te conduirai your goals. À atteindre tes objectifs. And for some reason, et pour une raison, this guy cet homme, that you trust on, sur lequel you tu comptes, count on, sur lequel tu comptes, he died. Est mort. He left you. Il t'a quitté. He stopped it. Il s'est arrêté. And your goal and your mission, mission your vision also die with this person, avec cette personne. Death. Trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. If you want to reach your mission, si vous voulez atteindre votre mission, trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. I don't know. Je ne sais pas. The project to travel to Canaan was decided. Le projet d'aller jusqu'à Canaan était décidé déjà. But the guy who decided died. Mais la personne qui avait décidé de ce projet est morte. Maybe your parents. Peut-être que vos parents. Plan some goals for you. Ont des objectifs pour vous. Listen carefully. Écoutez attentivement. They send you to school. Ils vous envoient à l'école. In order for you to be a doctor. Afin que vous deveniez un docteur. Lawyer. Avocat. But for some reason, mais pour une raison, he cannot afford anymore your scholarship. Vos parents ne peuvent plus payer vos he études. He cannot help you anymore. Ils ne peuvent plus vous aider. Or sometimes he dies. Parfois vos parents meurent. Sometimes he is not die, but he cannot parfois, anymore. Ils ne sont pas morts, mais ils ne peuvent plus faire. And now your hope, et alors votre espoir, your vision, vos visions, your plan, vos objectifs, what you are trying to do, ce que vous essayez de you faire, you see it, break it down. Vous voyez cela être brisé et tombé. Trust in God. Ayez confiance stick en Dieu. Stick in God. Appuyez-vous sur Dieu. Your parents didn't achieve it, but I pray vos parents n'ont pas that you will reach. Mais je prie que vous that you will achieve. Que vous atteigniez what your parents ce que vos parents didn't achieve for pas you. Pu atteindre pour vous. Because you trust in parce God. Vous faites confiance you en l'Éternel. You count in God. Even your dad vous comptez sur himself. Dieu, même votre père lui-même. Also count in God. Compte sur Dieu aussi. Hallelujah. Amen. Terah died without reaching Canaan. Terah est mort sans atteindre Canaan. And the chapter, the verse 32. Verset 32. Put a final point to the story. Donne un point final à l'histoire. The person who was appointed to drive you. La personne qui était supposée te conduire. To Canaan. À Canaan. He died. Est morte. The person la personne who suppose qui était supposée to help, t'aider, to strength, te réconforter, he passed away. Est morte. Listen carefully. Écoutez attentivement. Put your trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. Abraham trust on his father Terah. Abraham avait mis sa confiance en son père Terah. But his hope stopped there. Mais c'est là où son espoir aussi s'est arrêté. Sometimes, parfois, on those who you count, les gens sur lesquels vous comptez, to reach to your goal, pour atteindre vos objectifs, die before they do it, meurent avant de vous aider à les atteindre. And you resume your life,
et vous continuez votre vie. To where you have been left. Là où vous avez été laissé. Listen carefully. Écoutez attentivement. And be careful. Et faites attention. When you stick on somebody, quand vous appuyez sur quelqu'un, and this person, et que cette personne, left you, vous quitte. Be careful. Faites attention. Never resume your life. Ne continuez pas vos where vies. Where this guy, là où cette personne, left you, vous a laissé. Sometimes, parfois, maybe it is a disease. Peut-être c'est une maladie. Maybe sometimes, mais parfois, some problems. Un problème. Who blocked you? Qui vous bloque? And you resume your life to there. Et vous continuez. And you cannot anymore move forward. Et vous ne pouvez plus avancer. And you ask yourself. Et vous vous demandez. Who will help me? Qui m'aidera? Who will rescue me? Qui me sauvera? The guy who decided to support you. La personne qui a décidé at de t'aider. At the last moment. Au dernier moment. He left you. T'abandonne, te quitte. Abraham was on his way. Abraham était sur le chemin. With his father to reach Canaan. Avec son père pour atteindre Canaan. But for some reason. Mais pour une raison. Terah died. Terah est mort. And leave Abraham alone. Et a laissé Abraham seul. How many persons? Combien de personnes? You count on your dad. Tu comptes sur ton père. You count on your mom. Tu comptes sur ta mère. You count on that minister, prime minister. Tu comptes sur le ministre, le premier ministre. And for some reason, et pour une raison, he left you. Il te laisse. He died. Il meurt. And now, et maintenant, you are crying. Tu pleures. And you ask to yourself, et tu te demandes, who will help me? Qui va m'aider? Who will rescue me? Qui va me sauver? You have degree. Tu as un diplôme. And you have dream. Et tu as des rêves. But your Terah died. Mais ton Terah est mort. You have vision. Tu as des visions. But your Terah passed ton away. Ton Terah est mort. Who will help me? Qui va m'aider? To reach to my Canaan. Afin que j'atteigne mon Canaan. Who will help you to reach to your promised land? Qui t'aidera à atteindre ta terre promise? Terah is already died. Terah est déjà mort. Maybe you can say my destiny. Peut-être que vous allez dire ma destinée is gone. Est finie. My destiny was clear. Ma destinée était claire. But my dad passed away. Mais mon père est mort. To whom shall I go? À qui irai-je? Are you feeling yourself alone? Est-ce que vous vous ressentez seul? Some moments, parfois, it looks like everybody left you. C'est comme si tout le monde vous a quitté. And you don't know where to put your head. Et vous ne savez où mettre la tête. Brothers and sisters, frères et sœurs, this person, cette personne, who promised, qui t'a promis, to finance your business, de financer tes affaires, he died, est morte. Or he changed his mind. Ou bien cette personne a changé d'avis. To whom shall I went? À qui irai-je? Who gonna help me? Qui m'aidera? On who do you trust, my brother? En qui fais-tu confiance, mon frère? In your life. Dans ta vie. On who stick? Do you stick your life? Sur qui est-ce que tu poses ta vie? In this country, America. Dans ce pays en Amérique. On who? Sur qui? Do you stick on? Est-ce que tu t'appuies? Do you trust? En qui est-ce que tu trust as confiance? Only in God. Fais confiance seulement in en your whole situation. Dans ta situation. In your difficulty. Dans tes difficultés. In your disease time. Dans tes maladies. Trust only in God. Fais confiance seulement en l'Éternel. Only Him. Seul lui. Can make a new way for you. Peut frayer un nouveau chemin when pour toi. When everything look like it is closed in your life. Tout a l'air fermé dans ta vie. When everything is stopped quand in your life, cesse dans ta vie. God make a Dieu new way. Fraye toujours un nouveau chemin. Amen. Trust in God all the time of your life. Aie confiance en Dieu tout temps de ta vie. You trust on a man? Fais-tu confiance en un homme? Do you trust in this person? Tu fais confiance en une who personne? Who supposed to unlock your doors? Qui est supposé débloquer ta porte? But he lost the key. Mais cette personne a perdu la clé. Brothers and sisters. Frères et sœurs. To whom shall I go? À qui irai-je?
The person that you call to rescue you. La personne que tu appelles pour when te sauver. When he run and he come. Quand il court et qu'il arrive. He noticed that he lost the key. Il se rend compte qu'il a perdu la clé. The door is closed. Et la porte est fermée. Trust in God. Aie confiance en l'Éternel. If you understand it clearly how si God comment Dieu will pass to bless you. Peut passer pour te bénir. It's not God. Ce n'est pas Dieu. I repeat. Je répète. If you understand si tu arrives à comprendre clearly clairement how God le chemin par will lequel pass to bless you, Dieu passe pour te bénir, it's not God. C'est que ce n'était pas Dieu. Always. Toujours. It's where your hand cannot reach. C'est là où ta main ne peut pas atteindre. It's where your thought is limited. Là où tes pensées sont limitées. It is there. C'est là-bas. God hand starts. Que la main de Dieu commence. Amen. It is there. C'est là-bas. The thought of God starts. Que le temps de Dieu commence. In God's ways, it's always have something that you cannot understand. Les voies de l'Éternel ne sont pas compréhensibles aux hommes. You cannot understand. Vous ne pouvez pas les comprendre. Trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. When he speak to you, quand il vous parle, trust in him. Ayez confiance en lui. Believe in him. Croyez en lui. Stick on him. Appuyez-vous sur and lui. Count in him, on him. Et comptez sur lui. I can promise you. Je peux vous promettre. But I left you at the last minute. Mais je vous abandonne au dernier moment. Mary asked that question. Marie a posé la question. How? Comment? It can be possible. Est-ce possible? If you never ask this question in your life, si tu n'as jamais posé cette question dans ta it's vie, mean ça veut dire God is not yet in your life. Que Dieu n'est pas encore dans ta vie. To accomplish something. Pour accomplir quelque chose. Always. Toujours. If this question come to you, si cette question how? Te vient, comment? It can be possible. Est-ce que c'est it's possible? Mean, ça veut dire it is God c'est Dieu that you have before you qui est to devant, solve a problem. Qui est devant toi pour résoudre when you problème, are limited, quand tu es limité, the stronghold la, block you. Les choses te bloquent. It is there. C'est là-bas. You start to ask the question. Tu commences à te poser la question. How can I reach? Comment puis-je atteindre? I have a deep hole. J'ai un trou profond. How can I jump? Comment puis-je sauter? How can it be possible? Comment est-ce possible? To reach, d'atteindre, to achieve, d'atteindre my goals, mes objectifs. People of God, peuple de Dieu, trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. Trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. Maybe you already asked the question in your life. Peut-être que tu as déjà posé cette question dans ta vie. Nobody count on you. Personne nobody trust on you. Ne te fait confiance. But you. Mais toi. You know. Tu sais. You have a God. Que tu as un Dieu. On him alone. Et sur lui seul. You stick on. Tu t'appuies. Whatsoever he asks you to do, trust him. Ce qu'il te, quoi, quel que soit ce qu'il te demande, aie confiance en lui. And do it. Et fais-le. It is only him. Seul lui. Sometimes in our life, parfois dans nos vies, things are so hard. Les choses sont tellement difficiles. And we cannot understand. Et nous n'arrivons pas à comprendre. Starting asking some questions. Nous commençons à nous poser des questions. A lot of persons can be around you. Beaucoup de gens peuvent être autour de vous. But they are incapable to help you. Mais ils sont incapables de vous aider. A lot of persons. Beaucoup de personnes. A lot of friends. Beaucoup d'amis. But they cannot help you. Mais ils ne peuvent pas vous they aider. They cannot lead ils you. Ils ne peuvent pas vous conduire. Only God. Seul Dieu. Can lead you. Peut vous conduire. Abraham's father passed away. Le père d'Abraham est mort. But God didn't say mais his Dieu final word. N'avait pas dit son dernier mot. Maybe your situation, peut-être que ta situation is look like Abraham's situation. Est comme celle d'Abraham. But I tell you mais je te this dis morning, ce matin, God didn't say his final Dieu n'a pas word dit son in son your dernier life. Mot dans ta vie. Amen. Trust in him. Fais-lui confiance. Maybe some heaven can strike you.
Some heaven, some heaven. Peut-être qu'un événement peut te toucher. Some disease struck you. Une maladie t'atteindre. Your helper left you. Peut-être que celui qui t'aide te quitte. Never lost jamais hope. Ne perds jamais espoir. Never lost hope. Ne perds jamais espoir. It is only that one. C'est ça seulement. Who will guide you and qui help you te guider, to stand up again. À te relever encore. God don't have his place in your life until on those you stick on left you. Dieu n'agit pas dans ta vie tant que ceux sur lesquels tu comptes ne te quittent pas. God doesn't start nothing. Dieu ne commence rien. Until you become tired. Tant que tu n'es pas fatigué. God always come at the moment that you said it is finished for Dieu me. Dieu vient toujours quand tu dis que tout est fini pour moi. It is on that time. C'est en ce moment that God appears. Que Dieu apparaît. God allows that on those who you count left you so he can act Dieu on your life. Dieu permet que les gens sur lesquels tu comptes t'abandonnent afin qu'ils puissent agir. God allows sometimes Dieu permet parfois that those who supposed to help you fail. Qui sont supposés t'aider échouent. They refuse to help you. De t'aider. They stop to ils help you. De t'aider. So now you can turn your face to God. Tu peux te retourner vers Dieu. Brothers and sisters, frères et sœurs, listen carefully this écoutez sermon. Attentivement ce message. I don't know what is je coming ne sais pas ce qui in vient. 2 weeks or 1 week or semaines, 1 month in your dans life. Une semaine, dans un mois dans ta vie. That the Spirit of God que l'Esprit de Dieu come quickly vienne rapidement to fortify you, pour te fortifier, to strengthen you pour te fortifier. Before you meet this thing in 2 weeks or 1 month. Avant que tu ne rencontres cette épreuve dans une semaine ou dans un mois. Trust in God. Aie confiance en l'Éternel. Trust in God. Aie confiance en l'Éternel. Say it to your neighbor. Dis-le à ton voisin. My neighbor. Mon voisin. My friend. Mon ami. My sister. Ma sœur. Trust in God. Aie confiance Always en l'Éternel. Always trust in God. Fais-lui toujours confiance. Why should I trust in God? Pourquoi devrais-je faire confiance en l'Éternel? Why? Pourquoi? Il est le rocher des siècles. He is the rock of the centuries. It is his region. C'est pour cette raison. C'est le lion de la tribu de Juda. He is the lion of the tribe of Judah. C'est l'étoile brillante du matin. He is the shining star in the C'est morning. Le soleil de justice. He is the son of C'est justice. Le lion de la vallée. He is the C'est le narcisse de Sharon. He is the narcisse of Sharon. It is that reason. C'est pour cette raison. That I should stick que je devrais m'appuyer et avoir confiance en l'Éternel. Amen. You fail too much. Tu échoues tellement. Because you trust too much on yourself. Parce que tu comptes trop sur toi-même. On others. Et sur les autres. Trust in God, my brother. Fais confiance en l'Éternel, mon frère. When you have God with you. Quand tu as Dieu avec toi. And you trust on a man. Et tu fais confiance en un homme. God fold his hand. Dieu croise les bras. And he look at on you. Et il te regarde. Christian, chrétien, you have God tu as Dieu with you, avec toi, but mais you count, you trust, tu fais confiance on a man, en un homme. You said indirectly to God, tu dis indirectement God, à Dieu, be patient. Dieu, attends, sois patient, be patient, sois patient. Until this guy jusqu'à ce que cet fell, homme échoue, and God now start to et là Dieu act. Commence à agir. Be careful, fais attention, chrétien. Jérémie 17:5. Curse be the man that trusts in a man. Maudit soit l'homme qui fait confiance en un homme. And make flesh his harm. Can it project it, please? Pouvez-vous le projeter, s'il vous plaît? Be careful. Faites attention. Jérémie 17:5. Verset 5. Curse be the man that trusts in a man.
and maketh flesh his arm, and whose heart depart from the law. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Genesis 12. Genèse 12. When Abraham died, passed away. Quand le père d'Abraham est mort. Abraham was limited. Abraham était limité. Sad. Il était triste. No more hope. Plus d'espoir. And you said, I'm finished. Et vous dites, oh, my dad. My dad. Mon père. Terak. Promised me to lead me to the promised land. De me conduire à la terre promise. But he left me here Mais at Chaldée. Il m'a laissé ici à Chaldée. Where Où shall I go? Irai-je? To whom à qui shall I go? Irai-je? God was there. Dieu était là. Look at on Abraham. Il regardait Abraham. Sometimes, parfois, if your Terak si still with you, est toujours avec toi, God don't act. Dieu n'agit pas. He waits. Il attend. Until jusqu'à you start to ask your question. Tu commences à te poser how la question. This and that can be possible? Comment est-ce que ceci serait possible? Mary, she said. Marie a dit. I don't know a man. Je n'ai connu aucun homme. How can it be possible? Comment est-ce possible? The grace of God. La grâce de Dieu. Make impossible things possible. Rend les choses impossibles possibles. Trust in God. Ayez confiance en Christian, en tant que chrétien. We are blessed. Nous sommes bénis. We are so blessed. Nous sommes tellement bénis. We don't even know. Nous ne savons the pas. The strength, la force, and the richesse, et les richesses. Blessing that God les give it to us. Que Dieu nous donne. We are running with the riches in nous our, in courons in avec les richesses en nous. We are running with our blessing. Nous courons avec nos bénédictions en nous. Until God said, Abraham. Jusqu'à ce que Dieu dise, Abraham. Stand up. Lève-toi. Canaan. Canaan, you will went. Tu vas y aller. You will go there. Tu vas arriver. You will reach it. Tu atteindras Canaan. Left Chaldée. Left Chaldée. Your parents, quitte family, la famille town, de tes parents, community, la ville de tes parents, la communauté, and go. Et pars. When hope seemed to finish, quand l'espoir semble it is être there, parti, God c'est là give you another que Dieu one te donne encore to walk again. Une nouvelle force pour marcher encore. May God give you a hope que this Dieu vous morning donne again. Un espoir ce matin encore. I don't Amen. Know which situation you are passing Je ne sais through. Pas la situation par laquelle tu May passes. May God strengthen you que again Dieu this te morning fortifie encore ce and matin renew you again. Et te renouvelle encore. Maybe your friend, peut-être que tes amis, your parents, tes parents, those who promise you, ceux qui t'ont promis, they left you. T'ont quitté. But God promised Dieu you, t'a promis. He will never left il you. Ne t'abandonnera he will jamais. Never forsake you. Il ne t'abandonnera jamais. And this morning, in your situation, he said to you. Let's go to Cana. Allons à Cana. Amen. Your parents promise. Vos parents vous ont promis. This guy or this woman promised to finance your business. Cette femme a promis de financer to tes affaires. To help you. De t'aider. But mais he left you. Elle t'a quitté. It is there. C'est là. It is at that moment. C'est en ce moment that God will appear and que come. Dieu apparaîtra et viendra. Abraham stood up. Abraham se leva. And he reached to his Cana. Et il a atteint Cana. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What was waiting for Abraham? Qu'est-ce qui attendait Abraham? In Cana. À Cana. Sometimes. Parfois. God have his own way. Dieu a ses propres voies. God took Terak. Dieu a enlevé Terak de la présence d'Abraham. Pourquoi? God never allow men to take his glory. Dieu ne permettra jamais à un homme de prendre sa gloire. Because Amen. He has some plan for Abraham Parce qu'il to Cana. Il a un plan pour Abraham If à Cana. If Terak lead Abraham si Terak to Cana, avait conduit Abraham à Cana, Abraham will worship Terak. Abraham allait adorer Cana, and clap for Terak, Terak et applaudir pour That's Terak. What God said, c'est pourquoi Dieu a dit, I close the door of Terak je here, ferme la porte de Terak and ici. I will let my glory be shine et je in permets Abraham à ce que life. Ma gloire soit effective dans la vie d'Abraham. Because in Cana, parce qu'à Cana, I will bless those who will bless you. Je bénirai ceux qui te bénissent. In Cana, Cana, I will curse those who will curse je you. Je maudirai ceux qui te maudissent. In Cana, à Cana, you will have Isaac. Tu auras Isaac. In Cana, à Cana, you will be the father of a multitude. Tu seras le père d'une multitude. If I let Terak si lead je you Terak there, te conduire là-bas, you will worship
Terak. C'est Terak que tu vas adorer. You will give praise to Terak. Et tu rendras la gloire à Terak. God never share his glory Dieu with ne a partage man. Jamais sa gloire never. Avec un homme. Never. Jamais. Never. Jamais. Sometimes when parfois, things quand les choses look like it is finished, ont l'air d'être finies, trust in God. Ayez confiance en l'Éternel. He didn't speak yet. Il n'a pas encore dit son dernier mot. God can took from you Dieu a physical father, enlever de ta présence un père physique that you was able to see, que tu pouvais voir. And trust on, et sur lequel tu pouvais and compter. He replace it, et il le remplace with an unseen father, avec un père invisible that you couldn't see, que tu ne peux voir, but he must walk with you, mais qui doit marcher avec toi until to your Cana, jusqu'à ton Cana. I said it again. Je le dis encore. God can took from you. Dieu peut enlever de ta présence. Your father that you can see. Ton père physique que tu your peux voir. Your helper that you can see. Ton aide que tu peux your voir. Your friend that tes you can amis see. Que tu peux voir. And he replaced it. Et il les remplace. With unseen helper. Avec une aide invisible. That it is him himself. Lui-même. So you can reach to your Cana afin now. Que tu peux atteindre ton Cana. Because your sin father. Ton père visible. Your sin helper. Ton aide visible. He cannot lead you to your Cana. Ne peut pas te conduire à he ta cannot. Terre promise. Ne peut pas. He will always try. Il essayera toujours. But he will left you one day. Mais un jour il va t'abandonner. Never be surprised. Ne sois jamais surpris. When people left you lorsque one day. Lorsque les gens te quittent un never jour. Never be surprised. Ne sois jamais surpris. When things look like lorsque it is blocked one day, bloqué un jour. God will, it is His own will. La volonté de Dieu, we c'est cannot la sienne. Understand. Nous ne pouvons la comprendre. That's why I say, c'est pourquoi je dis. At any time when you understand, chaque fois que vous comprenez, the ways of God to bless you, les voies de Dieu it is not from pour God. Bénir, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Never, it's not jamais, from God. Ça ne vient pas de it Dieu. It is when you c'est don't believe vous anymore. Ne croyez plus. It is the moment that you cannot think it is through this man. He will pass through to bless you. Il va passer pour vous bénir. It is there God acts always. C'est là que Dieu agit toujours. He works like that. C'est comme ça qu'il fonctionne. When you say, "Oh, I already know. I already quand wired for that." Non, je savais, j'attendais ça déjà. It's not from God. C'est que ça ne vient pas de Dieu. No, it's not from God. Ça ne vient pas de Dieu. Hallelujah. Amen. Prayer is the first symptom of heaven foolishness. Prayer. La prière. It is the first c'est le premier symptôme of heaven foolishness. De la folie céleste. Prayer. La prière. The first sign. Le premier signe. Of heaven foolishness. D'une folie céleste. Because you are speaking. Parce que tu parles. With someone avec that quelqu'un. You don't see. Que tu ne vois pas. You are in your room. Tu es dans ta chambre. You pray, you speak. Tu parles. Sometimes you cry. Parfois tu pleures. People around you, les gens autour de toi, outside, or ou your dehors, roommate, ou tes colocataires. What happened to him? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Is it okay? Est-ce qu'il va bien? Because you speak with unseen God. Parce que tu parles avec un Dieu invisible. You speak alone in your room. Tu parles seul dans ta chambre. You must leave those who you see. Tu dois laisser ceux que tu vois. And go to where to et aller à celui you cannot see. Que tu ne vois pas. Your God. Ton Dieu. Joshua 1:1. Josué 1:1. Same thing. Même chose. Moses. Moïse. The powerful man. L'homme puissant. The boss of Joshua, le chef de Joshua, de Josué. The Bible said. La Bible dit. Now after the death of Moses, après la mort de Moïse, the servant of the Lord, serviteur de l'Éternel, it came to pass. L'Éternel dit the Lord Josué, spoke to Joshua, the son of Nun, fils de Nun, Moses minister, saying, serviteur de Moïse, Moses my servant is Moïse, dead. Moïse mon serviteur est mort. Now, maintenant. Therefore, arise, lève-toi, go over the Jordan. Passe ce Jourdain. Joshua boss, le Joshua, de Joshua manager de Josué, Joshua le master, de Josué, le maître de it Josué, was Moses, c'était Moïse, this powerful man, cet homme puissant, the person, la personne, alléluia, amen, alléluia, amen, this Moses, ce Moïse. The leader,
le leader, the source, la source, the mentor of Joshua, le mentor de Josué, the person who supposed qui est censé to lead you to the promised te land, conduire à la terre promise, you lost him, tu le perds. He came to Egypt, il est venu en Égypte. And he free you there. Et il t'a libéré and de là. He is supposed et il est supposé to guide you, te guider, to direct you, te diriger, to lead you, te conduire, to your promised land. À ta terre promise. And for some reason, mais pour une raison, he passed away. Il meurt. Joshua and Moses. Josué et Moïse. God went to learn you and me to count on him. Dieu veut nous apprendre à compter sur lui. If you love God, si tu aimes Dieu, and you put your trust on him, et tu mets ta confiance en lui, he will appear at any time when il you call him. Chaque fois que tu l'appelles. Amen. He will appear at any time. Il apparaîtra chaque fois. My brethren, mes frères, never base your confidence on your job. Ne basez jamais votre confiance sur votre travail. Never. Jamais. Never base your trust on your finances. Ne posez jamais votre confiance en vos finances. If you do that, si vous faites cela, and God notice that, et Dieu remarque cela, you will lose it. Vous perdrez count cela. On me. Comptez sur moi. Faites-moi confiance. Never do this mistake. Ne faites jamais cette erreur. Trust in your job. La confiance to trust en in votre your boulot, money. En votre argent. Trust in your relationship. En vos relations. If you do that, si vous faites cela, as a Christian, en tant que chrétien, be sure, assurez, soyez sûr, God will take it out from you. Que Dieu vous lance, vous enlèvera cela. Always trust in God. Faites toujours confiance en Dieu. Because God does even share his glory. Parce que Dieu ne partage pas with sa gloire no man. Avec aucun homme. Sometimes, parfois, you can count on this man. Vous pouvez compter sur un homme. And he block you. Et il vous bloque. He don't even pick up your phone. Il ne vous décroche même pas les appels. He give you some appointment. Il vous donne un rendez-vous. But he left you. Et il vous abandonne. The proof is when Moses left them. La preuve, c'est quand Moïse les a to abandonnés. The mountain. À la for les a while, à la montagne. The people were created their own gold goats to pendant worship. Le peuple a créé leur propre veau d'or afin de l'adorer. When Moses was absent, quand Moïse était absent, for only 40 days, seulement pour 40 jours, see the behavior of people, regardez le comportement du peuple. They refused to trust in ils God. Ont refusé de faire confiance en they l'Éternel. Created their own gold. Ils ont créé leur propre Dieu. To worship and give praise. Qu'ils adoraient, sometimes, qu'ils louaient. Parfois, when things look like it's left you, those who count on those that you count on left you. Quand les gens sur lesquels vous comptez vous abandonnent, and you feel yourself alone, et vous vous ressentez seul, you start to misbehave. Vous commencez à vous comporter mal, and you refuse to count and trust in God. Et vous refusez de faire confiance en Dieu. Why you act like that? Pourquoi est-ce que vous agissez ainsi? Why people create their own gold coast to worship? Leur propre leur veau d'or afin de l'adorer. Because they trust so much on Moses. Parce qu'ils avaient tellement confiance en Moïse. Than God. Plus qu'en Dieu. And the guy. Et that le gars on, sur lequel ils comptent. He don't come anymore. Il ne revient pas. We wait for him for a long time. Pendant longtemps. 40 days. 40 jours. That's why we create our own gold coast. C'est pour cela qu'on worship. A créé notre propre veau d'or. Moses pour l'adorer. Was look like their Moïse own God. Était leur Dieu. Sometime, parfois, before you get through your Canaan, avant d'arriver à ton Canaan, your Moses, ton Moïse, must die. Doit mourir. Your Terach must pass away. Ton Terach doit mourir. Be careful. Faites attention. This Moses, ce Moïse, who defeat Pharaoh, qui a défait Pharaon. This Moses, ce Moïse, who divide the Red Sea, qui a divisé la mer rouge. He speak and he's ruin food. Il a parlé et il a plus de la nourriture. This Moses who came out and he overwhelmed Amalek, qui a surmonté Amalek.
This Moses can speak directly to God. Qui peut parler directement à This Dieu. Moses ce Moïse can speak and God will open qui peut parler et Dieu ouvre la Shalom, Kore, Data and Abiram. This Moses, ce Moïse, who God said, à qui Dieu a dit, no, he said to God, qui a dit à Dieu, if you kill these people, si tu tues ce peuple, erase my name from your life book, efface mon nom de ton livre de vie. You see the power of Moses. Vous voyez la puissance de Moïse. Moses was the God of Israel people. Moïse était le Dieu du and peuple d'Israël. For Joshua, et pour Josué, Moses was more than God idol. Il était plus qu'un dieu, il était une idole. When Moses was going to the mountain for 40 days, quand Moïse allait sur la montagne Joshua pour 40 jours, went with him. Josué allait avec lui. And he stayed there sleeping, waiting until Moses came back. Il est resté là-bas dormir jusqu'à at ce que this Moïse time revienne. In the valley, pendant ce temps dans la vallée, Aaron with people they create their Aaron own et les autres ont créé leur propre worship. Veau d'or qu'ils adoraient. On who do you trust? En qui fais-tu confiance? On who do you trust, my brother? En qui fais-tu confiance, mon frère? That's why. C'est pourquoi. God speak to Joshua. Dieu a parlé à Josué. When Moses passed away. Quand Moïse est mort. Strengthen yourself. Fortifie-toi. Stand up. Prends courage. Be strong. Debout. Prends courage. Because your idol. Parce que ton idole. He passed away. Il est mort. Your boss, ton patron, the person that you stick on, la personne sur he laquelle tu t'appuies est morte. Sometimes, parfois, people will help you. Les gens t'aideront. Until you are where you are right now. Jusqu'à ce que tu arrives où tu es maintenant. But, mais, one moment for some reason, pour quelque raison que ce soit, your friendship took end. Votre amitié finie. You don't know why. Tu ne sais pas pourquoi. Because parce que if God let them act si until Dieu the end, les laissait agir jusqu'à la fin, they will took the glory of God. Ils allaient prendre la gloire de Dieu. Amen. Listen carefully and écoutez understand. Écoutez attentivement et comprenez. This can happen to you. Ça peut vous arriver. When it's happened to you, et si ça vous arrive, listen back these sermons. Réécoutez ce message. Come back on this sermon. Revenez sur ce message. When you start to ask to quand yourself, vous allez commencer à vous demander, why that thing happened to me? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Everybody, but not you. Tout le monde sauf moi. I want to say, everybody can left me, but not you. Oh, tout le monde peut me quitter, mais pas toi quand même. Sometimes can happen to your cela life. Peut arriver. Parfois dans vos God vies. C'est Dieu preparing you qui vous prépare to listen carefully à écouter that attentivement it is time for him qu'il est temps pour lui to start in your de commencer life. Dans vos vies. Amen. People can help you. Les gens peuvent vous aider. They can urge you to and brought you to the America. Ils peuvent même vous aider à venir aux États-Unis. And they left you alone. Et ils vous abandonnent. Never be ungrateful. Ne soyez jamais ingrat. Or angry. Ou fâché. Again this person. En colère contre cette personne. Never said he is bad. Ne dites jamais que he cette is personne wicked. Est mauvaise, qu'elle est méchante. Remember. Souvenez-vous. It is through him. C'est au travers de cette personne. God brought you here. Que Dieu vous a amené ici. And he said to this guy. Et il a dit à cet homme. It is finished. Your role, your action, your time is finished. Ton rôle est go. Est terminé. Pars. I will take care of him now. Je vais m'occuper de lui maintenant. Some people they have been sent here from by their dad. Il y a des gens qui ont été emmenés ici par leur or père, leur mère ou leurs amis. Encourage them to come. Qui les encourageait à venir. And when you come et yet, quand ils sont arrivés, you call him and he didn't vous les appelez respond. Et ils ne répondent pas. It's what happened to the pastor François Xavier. C'est ce qui s'est passé avec le pasteur François Xavier. Our previous Esther fasting time. Notre jeûne d'Esther précédent.
One of his little pastor that he formed in his church. Un de ses pasteurs adjoints qu'il a formé dans son and église. And he make his paper. He came here. Et dont il a fait les papiers qui est venu when ici. When he came here. Quand il est venu ici. Almost after 10 years. Après presque this 10 guy ans. Cet homme. Encouraging pastor come. Encourager le pasteur. Pasteur viens. Come. Viens. Pastor come. Pasteur viens. When he came to Union Station. Quand il est arrivé à Union Station. He called the guy. The guy il a appelé didn't respond. Le gars. Le gars n'a pas he répondu. Called, the guy il a didn't appelé. Respond. Le gars n'a pas répondu. Yes. Oui. Sometimes the mission. Parfois la mission. If we want to if we try to understand. Si vous essayez de comprendre. His mission is finished. Sa mission est terminée. Pastor, the mission of this Pasteur, guy is finished. La mission de cet homme-là c'est fini. He encourage you to come. Il t'encourage à venir. You come. Tu es venu. His mission is finished. Ta mission est terminée. Me God. Moi Dieu. I replace and I took. Je prends le reste. Alléluia. Alléluia. Amen. And it is on that way. Et c'est cela. This pastor and me. Que ce pasteur et moi. We know each one another. Nous nous sommes rencontrés. My phone ring. I pick up. Mon téléphone a sonné. And j'ai décroché. He start to speak and. Il a commencé à parler. And introduce himself. Et se présenter. I got your phone number from j'ai one pastor. J'ai eu ton numéro de la part d'un pasteur. From New York. De New York. Who gave me and said we have a pastor here. Qui a dit que nous avons un pasteur and ici. And he called me. Il m'a appelé. And I sent Diodone, brother Diodone, et j'ai envoyé to go le frère Diodone pour aller le chercher. Union Station. À Union Station. And we passed time with us. During our Esther fasting, et who nous remember passé you? Notre temps ici à Hallelujah. Qui se souvient de lui? Amen. You see how God works? Vous voyez comment Dieu fonctionne? Maybe it's happened to you one day. Peut-être qu'un jour ça t'est arrivé. Je suis un exemple vivant ici. I am a living example of this. Hallelujah. Amen. When you are a spiritual man, quand tu es un homme spirituel. You understand tu comprends that it's not an obligation que ce n'est pas une obligation that the person who starts que la personne qui a commencé to bless your life à bénir ta vie should finish it doivent finir. You must understand that. Vous devez comprendre cela. He can start for il peut one commencer moment, pour un mois, pour un moment, but he's gonna left you. Mais un jour il va t'abandonner. Someone can kick you out from his house. Quelqu'un peut te chasser de la maison. With your luggage at midnight. Avec ses bagages à minuit. Don't even return that midnight he's kick you out. Ne te souviens pas de cette heure à laquelle il t'a chassé. But mais return that morning he receives you in his house. Du matin où il t'a reçu chez lui. Amen. Hallelujah. Amen. I repeat it. Je répète. This guy who received you in his ce house, gars qui t'a reçu chez lui. He kick you out t'a at midnight. À minuit. Avec ton sachet bleu. With your blue bag. Don't return at midnight time. Ne te souviens pas, ne te rappelle pas de cette heure de minuit. But remember. Mais plutôt souviens-toi. Return. Rappelle-toi. That morning he received et retiens-toi le matin qu'il t'a reçu chez lui. It is God's way. C'est le chemin de Dieu, c'est la voie de Dieu. God said, Dieu dit, he receive you, il but te reçoit, the time that you must pass there, le temps que it tu devais is passer finished. Là-bas est terminé. Me God now, moi Dieu maintenant, I will replace him. Je me charge du reste. Trust in God, faites brother confiance and en sister, Dieu, frères et sœurs. Trust in God, faites confiance en Dieu. If God allowed that. Si Dieu permet à cela, that he can kick you out, permet que vous soyez chassé. It means the deadline between you and him is finished. La date limite de votre relation est terminée. And that person is over. Et cette personne c'est fini. And he is opening another house. Et Dieu ouvre une nouvelle maison. And now that house, et cette nouvelle it maison, is your own house for you. C'est ta propre maison à toi-même. Amen. But at that midnight you are crying. Mais à minuit là tu pleures. Je vais où? Where am I going to go? It's work like that. C'est comme ça que ça fonctionne. Mon hambayon wa egomti o pazwete.
I said, j'ai dit, if we didn't burn, put a fire, a chameleon, le chameleon, chameleon. Si on brûle pas le feu là, if you don't burn a fire, le chameleon ne court pas. You will never see a chameleon. Unless a fire is burning, you will never see a chameleon run. Hallelujah. Amen. Sometimes, parfois, God put fire, Dieu met le so feu you can run. Afin que tu cours. Amen. Wow. To get to your own house. Et d'arriver dans ta propre maison. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But we didn't understand that. Mais nous ne comprenons pas cela. God doesn't want people to say it. Dieu ne veut pas que les gens disent. It is through them, c'est au travers d'eux, that you become prosperous. Que tu es devenu prospère. Look at on your life. Regarde à ta vie. Brothers and sisters, frères et sœurs. Right now. Maintenant. Look at on your life. Regarde à ta vie. The many times, plusieurs fois. Those who start with you, ceux qui ont commencé avec left toi, you. T'ont abandonné. Check your life. Check regarde, it. Regarde ta vie. Check it. Regarde. They left you. Ils t'ont quitté. Why? Pourquoi? Because God, parce que Dieu, don't want them, ne voulait to pas say it one day, qu'un jour, it is by me, ils disent que c'est à that travers you become d'eux what you are que now. Tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Amen. It is the way of God that. C'est de la façon dont Dieu agit. Isaiah 42:8. Isaïe 42:8. My glory will I not give to another. Ma gloire ne sera donnée à aucun autre. Never my praise. Ma louange non plus. To an image. À une image. Never. Jamais. Never try to understand God. N'essayez jamais de comprendre Dieu. Just trust in Him. Faites-lui seulement confiance. Don't try to understand. N'essayez you cannot. Pas de comprendre. Vous ne pouvez pas. You will get some headache. Parce que vous aurez des maux de tête. Just trust in him. Faites believe in him. Confiance, croyez en lui. It don't mean also sometimes that you must forget these good things that were performed in your life. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les bonnes choses qui ont été faites dans vos vies. And you said you kicked me out, by God oh took non, me back. Tu m'as chassé, mais Dieu m'a repris. God didn't took you back because they kick you out. Dieu ne t'a pas repris parce qu'ils t'ont chassé. God took you back. Dieu t'a repris. Just because parce he que didn't want you to took his glory and give to them. Il ne voulait pas que tu prennes sa gloire et la donner à eux. That's why he took you back. C'est pour ça qu'il t'a repris. That's it. C'est tout. Just trust in God. Faites confiance en l'Éternel. God will always use people to build an unfinished house in your life. Dieu utilisera toujours des gens pour construire des maisons qui ne sont pas finies d'être construites dans vos vies. It will work like that. C'est comme ça que ça marche. Unfinished house. Des maisons He will qui use ne sont pas people finies. To build Il utilisera it. Des gens pour les construire. But never despise those who build this unfinished house in your life. Mais ne méprisez pas ceux-là qui ont construit des maisons inachevées Never. Dans vos vies. Jamais. God will always use them. Dieu les utilisera toujours. To do unfinished thing in your life. Pour faire des choses inachevées dans vos vies. That's why Joseph said C'est to his Joseph brethren. Joseph a dit à ses frères. Don't return the cell. But retain what I am right now. Ne vous souvenez pas de la vente, mais souvenez-vous de qui je suis aujourd'hui. Amen. Clap for the Lord. Applaudissez pour l'Éternel. Hallelujah. Amen. Don't retain this unfinished house. Ne vous souvenez pas de la maison inachevée. No. Non. Don't return. Ne gardez when pas you are sleeping under his roof. Quand vous dormiez sous son toit. Return right now. Souvenez-vous de maintenant. When God kick you out from his roof, quand Dieu t'a chassé and de son he give toit, you your own house. Et qu'il t'a donné ta propre maison. Joseph said, Joseph a dit, brother and sister, frères et sœurs, Joseph said, Joseph a dit, you plan to do bad thing on me.
Vous aviez l'intention de faire quelque chose de mauvais but envers God moi. Turned it in good Mais things. Dieu a transformé cela en une bonne chose. Amen. It's work like that always. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Understand the word of Comprenez God. La parole de Dieu. Don't retain the sell, but retain what I am right now. Ne retenez pas la vente, mais retenez qui je suis aujourd'hui. Otherwise, sinon, all of us, nous tous, will be back home. Nous serions tous à la maison. And it's gonna be an association of poor men. Et ce sera une association d'hommes pauvres. Yes. Amen. It's happened to Joseph also. Cela est arrivé à Joseph. Joseph aussi. Was counting on his father. Joseph comptait sur son père. Because his father loved him son too much. Père l'aimait tellement. And he gave him a multicolored garment. Il lui a donné un habit multicolore. And God said, you count on his dad. Tu comptes sur ton père. You count on your dad. Tu comptes okay. sur ton père. Okay. He used his brother. Et il a utilisé ses to frères sell him. Pour le vendre. Far away. Très loin. At some place that he don't even know un endroit nobody que no dad où il ne connaît personne il y a pas no de père mom, pas de maman no uncle pas d'oncle nephew nothing pas de neveu rien when you count too much on someone quand tu comptes tellement sur quelqu'un God can took you from far away from this person très loin de cette personne and he drop you in Egypt il va te déposer en Égypte to do what pour faire quoi good things. Pour faire de bonnes choses. Amen. God will never start his story Dieu with you. Ne commencera jamais son histoire avec toi. Until he brought you far away. Tant qu'il ne t'a emmené loin. Far away. Très loin. From this person. De cette personne. That you trust on. Sur laquelle tu comptes. He will do it. Il le fera. That's why God brought Joseph far away. Dieu a enlevé Joseph très loin. To a place that he didn't have person. À un endroit où il n'avait personne. Alone with his dream. Avec ses rêves. And his God. Et son Dieu. Sometimes. Parfois. It's gonna happen to you. C'est ce qui va t'arriver. Trust in God. Aie confiance en l'Éternel. Only you and with your God. Sur toi et ton and Dieu. Your dream. Et tes rêves. Amen. You have not been fired because you are unable. Tu n'étais pas renvoyé parce que tu étais incapable. You worked so much to build this company. Tu as travaillé tellement dur pour you construire cette so compagnie. Much. Tu as tellement you travaillé give all dur. Your talents tu as donné tout ton to talent. Give birth to this project. Tu as donné naissance à ce projet. But as soon as mais dès que things goes well, les choses commencent à prendre, they fire you. Ils te renvoient. You don't even know. Don't even know tu ne sais même pas that God in his plan, que Dieu dans son plan voulait que tu arrêtes d'être employé afin que tu deviennes employeur. Yes. It's happened too much. Ça arrive tellement. But if you don't understand, mais si vous ne comprenez pas, I give my time to the company. J'ai donné I mon temps à la best. Compagnie. J'ai donné mon so c'est le meilleur de moi. It. J'ai travaillé tellement But dur pour construire. Things goes well, et quand me. Les choses allaient bien, no. on m'a envoyé. Non. God went you to Dieu build voulait que tu construises your own company, ta propre compagnie my brother. À toi-même, mon frère. Hallelujah. Amen. Always saying thanks to God. Dites toujours merci à Dieu. And also, et aussi, never keep people who leave you in your life in bad side. Ne gardez jamais rancune contre ceux Never. Qui ont agi dans vos vies. Jamais. Never. Jamais. Never keep these people. Ne mettez jamais ces personnes in the bad side of your life. Dans un mauvais côté de votre no, cœur. No, never. Jamais. Never do that. Ne faites jamais cela. In your hearts. Dans vos cœurs. Never do that. Ne faites jamais cela. Give praise to God. Rendez gloire au Seigneur. For what this guy brought in your life. Pour ce que cette personne a emmené dans vos vies. Even if it is a small things. Même si ce sont des petites choses. God work like that. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Why you left me? Pourquoi est-ce que tu Why m'as laissé? You left me? Pourquoi est-ce que tu m'as you abandonné? Speak too much. Give praise to God. Rends gloire à l'Éternel. And give him thanks. Et dis-lui for merci. The little thing this guy or this woman brought in your life. Cette femme a emmené even dans if vos vies. It is for one Même week. Si c'est pour une semaine. He built something in La your personne life. A construit quelque chose dans vos vies. Amen.
Terak passed away. Terak est mort. So Abraham can get Isaac. Afin que Abraham puisse avoir Isaac. Trust in God. Et confiance en l'Éternel. Trust in God. Et confiance en l'Éternel. We will stand up. Tenons-nous debout. Next Sunday I will try to finish my sermon. It's not finished. Ce message n'est pas fini. Je vais essayer de le clôturer dimanche prochain. Trust in God. Aie confiance en l'Éternel. Always trust in Him. Fais toujours confiance en l'Éternel. How many times? Combien de fois? People promise you. Les gens t'ont promis. How many times? Combien de fois? They fell. Ils ont échoué. They step back. Ils ont reculé. They say, oh, I cannot anymore. Ils ont dit, oh, je ne peux plus. How many times? Combien de fois? I have a job for you. J'ai un boulot pour toi. You run quickly. Alors tu cours vite. When you get there, et quand tu y arrives, he said, hope, sorry. Dis, oh, désolé. I'm gonna speak to your God. Alors tu vas parler à ton Dieu. Please, s'il te plaît, brought me more closer to you. Amène-moi plus proche de toi. Maybe you are far away. Peut-être que tu es loin from God. De Dieu. And so close. Et tellement proche to a man. D'un homme. Ask God. Demande à Dieu. Right now. Maintenant. Bring me back close to you. Rapproche-moi de toi. Bring my heart. Rapproche mon cœur. Close to you. Près de toi. You know, sometimes. Vous savez, parfois. We trust too much on our husband. Nous avons tellement confiance en nos maris. Our wife. En nos femmes. Our friend. En nos amis. And they deceive you. Et ils nous déçoivent. Je ne savais pas qu'il pouvait me faire ça. I didn't think he would do this to me. La personne qui ne te fera jamais ça. Là. The person that would never do this to you. C'est seulement Dieu. It's only God. C'est seulement Dieu. It's only God. Que chacun ouvre sa bouche. Let everyone open their mouth. Et parle avec son Dieu. And talk to their God.